intégral placement, les réponses aux questions. Et pour répondre à toutes vos questions, Jean-François Filiatre qui est resté avec nous. On est parti, Jean-François ? Allez, on est parti, je vous écoute. Ces questions, on le rappelle, hein, vous pouvez nous les envoyer sur notre site internet bfmbusiness.com ou bien encore en nous suivant sur Twitter, @intplacement. Allez, question de Christophe, qui est inquiet, qui regarde fluctuer, bouger nos marchés, qui veut savoir ce qu'il faut faire aujourd'hui sur ce marché qui a perdu très nettement du terrain lundi, qu'on a repris un peu mardi, enfin bon... Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec ce marché ? Tout à l'heure dans ma chronique, je disais que, face à la volatilité croissante des marchés, il faut aller fermer les yeux. Je vais rentrer un peu plus dans le détail, si vous permettez, en regardant différentes façons d'investir en bourse. Il y a différentes approches quand on va en bourse. Il y a des gens qui vont en bourse en se disant, bah moi, je choisis des titres. J'ai des parce que j'ai un copain qui m'a dit un truc, parce que j'ai vu un analyste qui sur l'antenne de BFM Business m'a recommandé un titre, puis je choisis des titres comme ça, et je les rentre en portefeuille. Donc, j'ai des idées comme ça et j'achète. Ces gens-là, après, ils vont avoir des problématiques de feeling pour se dire je garde pas, etc. Et on sait que cette approche-là, elle est soumise à plein de biais comportementaux qui fait que, quand on achète, on s'enthousiasme. Ouais, j'ai trouvé le bon truc, c'est le bon plan, donc je vais acheter trop cher. Mmh. Quand ça commence à dégager, éventuellement, on va faire des bêtises en sortant. Donc, je le dis tout de suite, je ne suis pas ultra favorable sur cette approche-là. Il y a des gens qui, constatant ces faiblesses-là, disent, et j'ai vu ça d'ailleurs récemment sur l'antenne, disent, mais il faut se fixer un certain nombre de règles. Et par exemple, dans les règles qu'il faut se fixer, il faut se fixer une règle en se disant qu'il faut prendre ses plus-values une fois, par exemple, qu'on a gagné 20%. Parce qu'on sait que l'un des problèmes qu'ont les épargnants qui achètent des actions, c'est qu'ils ne savent pas prendre leurs plus-values. Et comme disait l'autre, je suis riche d'avoir toujours vendu trop tôt. Voilà. Et alors, le souci qu'on a, c'est que prendre ses plus-values à hauteur de 20%, cette règle, je ne l'aime pas. Et je ne l'aime pas pour une raison simple, c'est que quand vous bâtissez un portefeuille avec différents titres, grosso modo, des génies qui gagnent sur tous les coups, j'en connais pas. Donc, en pratique, qu'est-ce que vous allez avoir sur un portefeuille? En tout cas, qu'est-ce qu'il faut espérer avoir sur un portefeuille? On va avoir un tiers des titres qui vont faire un peu moins bien que le marché, un tiers des titres qui vont faire le marché, et un tiers des titres qui vont grosso modo tirer la performance en faisant beaucoup plus que le marché. Si, sur les titres qui sont censés être les plus performants, vous vous filez une règle en vous disant « dès que ça commence à monter un peu, j'arrête », ben grosso modo, vous n'allez pas avoir une bonne performance. Moi, je fais partie des gens qui disent « il ne faut pas avoir une approche boursière ex nihilo, il faut avoir une approche boursière patrimoniale. » Ce qui m'amène à dire que tout le monde devrait avoir des actions et qu'on va réfléchir grosso modo par rapport à sa part d'action. Donc la question de Christophe qui nous dit, qu'est-ce que je fais aujourd'hui en bourse? Je vais prendre plusieurs cas. Première hypothèse, Christophe a pas fait spécialement beaucoup de mouvements sur les marchés depuis le début de l'année. Il avait des actions au mois de janvier. Quelle est la situation de Christophe sur la part des actions dans son patrimoine? S'il a fait la performance du CAC 40, ou grosso modo la performance du marché, depuis le début de l'année, qu'est-ce qui lui arrive? Il est toujours en gain positif. Pas énorme. Mais ça veut donc dire que le poids des actions dans son patrimoine, par rapport au début de l'année, il n'a pas changé. Oui, c'est ça. S'il avait 15% d'actions dans son patrimoine financier en début d'année, il a aujourd'hui, il doit avoir à peu près aujourd'hui 16% d'actions. Donc il n'est pas en risque extrême. Il constate que ça tangue. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. Mettons-nous maintenant dans l'hypothèse où Christophe, eh bien, il n'a pas suivi mes conseils et que plus ça montait, plus il est en train de se dire « Oh là là, je vais acheter ». On a connu ça, je rappelle. 99-2000, c'était ça. C'est-à-dire les gens, ils en avaient et puis ça montait, on a rajouté chaque fois une couche. Puis soudain, boum, la bulle se dégonfle et là on se dit « On se prend une grosse claque ». Ah ouais, mais si tu te prends une grosse claque, c'est aussi parce que tu avais mis beaucoup d'argent. Donc si Christophe, il avait augmenté son exposition, je pense qu'aujourd'hui, il peut se dire qu'il y a vraisemblablement des arbitrages à faire. On est dans une situation qui est très clairement moins favorable qu'auparavant. Sachant qu'on aime bien en bourse avoir des gourous. Alors on avait la Chine, c'était le gourou économique qui allait nous sauver de tous les maux de la terre, etc. Et le tracteur. Là, voilà, maintenant on ne l'a plus. Puis maintenant on a deux gourous, c'est Yannette Yellen et Mario Draghi. On pourrait aussi ne pas forcément avoir que des bonnes surprises de ce côté-là. Donc, si
Christophe, il s'est renforcé massivement dans la hausse des marchés. J'aurais plutôt tendance à lui dire, écoute Christophe, tu fais des arbitrages et t'allèges. A contrario, si Christophe, il n'a pas acheté d'action, aujourd'hui, on va être honnête, l'environnement n'a pas changé, les taux resteront bas pendant longtemps, le livret A ne rapportera rien, le contrat d'assurance vie en euros rapportera de moins en moins. Donc, si Christophe, il n'a pas acheté d'action, eh bien, aujourd'hui, il peut commencer à en mettre. Parce qu'il vaut mieux acheter des actions quand l'indice est à 4500 points oui, que d'acheter 5002, des actions que quand il est à 5002. Autrement dit, il n'y a pas de réponse universelle. Et quelque part, c'est un peu logique, parce que s'il y avait une position universelle sur les marchés, il n'y aurait que des acheteurs ou que des vendeurs. BFM Business, intégral placement, l'œil de la presse.